muri aburundi ko muri aburundi Mwiriwe neza nshuti namwe bakunzi ba RP akaze munca makehe y'amakuru yo kuri uyu wa gatanu turiginekezo rya gatatu rusama mu mwaka w'2019 inca make y'amakuru mugiye mushikizwe na Je Bonfils niyongere mfatikanire na DJ Irakoze mu rurimi rw'igifaransa mu buhinga bw'ivyuma ni MSTV niyonge ko ariko bafata amasanamu nabo nyene turaba kengurukiye ubwigenge bwo ku Uyu munsi kwigerekezo rya gatatu rusama n'umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uyu munsi ukabujitse mu gihe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi buguma busubira inyuma mu gihe igihugu cegereje amatora y'umwaka w'2020 bivugwa na Arnaud Froger aserukira ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe RSF mu rurimi mfunyapfunya rurimi rw'igifaransa ku mugabane wa Afrika Arnaud Froger atanga akarorero kamaradio mpuzamakungu BBC n'ijwi rya Amerika yafatiwe ibihano na leta y'u Burundi ibimenyesha makuru navyo vyitwa ko bikorera mu Burundi bikaba bitanga inkuru zibanje gusuzumwa n'ubutegetsi ivyo bivugwa n'ishiramwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe remezwa n'amenyesha makuru bagikorera mu Burundi abanyamenyesha makuru bakavuga ko badashimishwa ubwabo n'ingene barangura umwuga wabo kino gihe kubera ko bakorera kucuka citerabwoba bagirirwa kuva kubategetsi bo hejuru gushika kubajejwe intwaro bo hasi hari byinshi batubahuka gukora kugira ngo bashobore kurokora ubuzima bwabo mu gisata c'ubutunzi naho kuva kuri uyu wa kane banki nkuru y'igihugu BRB yasohoye amanoti mashasha y'ibihumbi 10 ibihumbi 5 ibihumbi 2 igihumbi ni noti y'amajana 5 banki nkuru y'igihugu BRB igasigura ko bahinduye amanoti yaramaze imyaka 4 gusa akoreshwa kugira hasoke inoti zikomeye gusumba kandi zidashobora gusubirwamo cyangwa kwiganwa byoroshe Yohani Ciza arunguye Berube amenyesha ko amanoti yahinduwe azoguma akoreshwa mu kiringo c'amezi atatu kitarenga n'ikirenguke. Nino ngaha nyine incamake y'amakuru twateguriye irangiriye. Shimire mwe mwese muri ko mudukirikirana ikibiraho kuri Facebook tuhani sango isaha 12 z'umugoroba amakuru mwidonito. Bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue dans le bulletin d'information de ce vendredi 3 mai 2019 qui vous est présenté par Nadège Ilakodze. En page média, ce 3 mai est la journée mondiale de la liberté de la presse. Mais la liberté de la presse est de plus en plus violée au Burundi alors que le pays s'achemine vers les élections. Regrette Reporters sans frontières. En sus des stations de diffusion locales incendiées et fermées, Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique au sein de RSF, déplore les sanctions prises à l'endroit des deux radios internationales que sont la BBC et la Voix d'Amérique, mais aussi la censure gouvernementale rigoureuse des journaux et médias en activité. Toujours en page média, les journalistes burundais exerçant encore au pays confirment cette situation, travaillant dans un climat de grande peur, car sous menace des hautes autorités du pays jusqu'à l'administration à la base, les journalistes se disent eux-mêmes insatisfaits du travail rendu, ils s'autocensurent pour sauver leur vie. Et enfin, en page économie, changement depuis ce jeudi des billets de 10 000, 5 000, 2 000, 1 000 et 500 francs burundais. La Banque centrale du Burundi justifie ce changement, opéré 4 ans seulement après le lancement des 10 billets, par le souci d'améliorer la sécurité et la durabilité des billets. Jean Chiza, gouverneur de la BRB, précise que les billets modifiés continueront d'être utilisés les 3 prochains mois. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous pour nous avoir prêté une oreille attentive. Le journal, c'est le journal en langue française. C'est à 18h45, heure de Bujumbura. Au revoir.